Ainsi est-il la période estivale et comme tous les ans, Laetitia Hallyday s'est rendue à Saint-Barth pour se reposer d'une année riche en émotions. L'île paradisiaque est un lieu chargé de souvenirs pour la veuve du Johnny Hallyday, le couple y passait ses vacances, profitant du soleil réconfortant, de l'océan apaisant, loin du tumulte de Paris ou de Los Angeles. Laetitia Hallyday devrait profiter, une partie de cet été, de ce havre de paix sans sa fille Jade. Après un passage au Cap d'Agde, la jeune adolescente de 15 ans aurait en effet préféré passer le début des vacances avec ses copines au Cap Ferret. Elle séjournerait chez Tess Rambaldi, la fille de Marie Poniatowski et Pierre Rambaldi, grand soutien de Laetitia Hallyday. Les amis postent à l'envi des clichés de leurs vacances de rêve sur Instagram, Jade Hallyday a bien de qui tenir. La veuve du taulier bien entourée, la fille de Laetitia Hallyday retrouverait sa mère dès la fin du mois de juillet, comme l'indique le nouveau numéro magazine Closer, en kiosque dès ce vendredi 24 juillet. La veuve du taulier serait néanmoins bien entourée, sa fille cadette Joy, sa grand-mère Mamie Rock et son amie Marilyn Sartier, seraient auprès d'elle. La mère de famille attendrait également avec impatience son compagnon, Pascal, qui devrait poser ses valises à Saint-Barth début août. Avec lui, Laetitia Hallyday reconstruit d'autres souvenirs sur l'île paradisiaque, là où elle a rencontré son nouvel amour, et là où est enterré celui qu'elle n'oubliera jamais, Johnny Hallyday. Comment acheter Closer ? Votre magazine est en vente à partir du vendredi 24 juillet en kiosque, sur Android, sur iPad et sur Kiosque Mag.